Delter classique. Exercice recommandé, incroyable, pic d'hormones de croissance, tout le monde doit le faire pour prendre de la masse, même dans les épaules, partout, il faut le faire. Et c'est vrai qu'au sens traditionnel, le Delter a des grands bénéfices, est bien fait, il n'est pas forcément si dangereux que ça, etc. Ça, d'accord. Donc je ne dis pas que, ceux qui font du Delter sont bêtes. Ce que je dis, c'est qu'en PPM, on ne le fait pas. Parce qu'en fait, nous, on est dans un esprit futuriste, créer l'adaptation, donc stresser un muscle pour le stimuler, causer un effet, va probablement passer par l'échec musculaire. Sauf qu'en fait, quand on parle du soulevé de terre, on parle de travailler des muscles qui sont en train de protéger ton intégrité physique. Et tu es en train, par cet exercice, de pousser un muscle qui te protège à l'échec. Et si tu le mets à l'échec, ça veut dire qu'il ne te protège plus. C'est sûr. Donc si tu fais, par exemple, je fais du crossfit. Je dois faire 10 soulevés de terre à 100 kg en moins de 15 secondes. C'est débile ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un des critères du sport crossfit. Et ben, si moi je suis capable d'en faire 50 à 200 kg, il n'y a pas de problème. À aucun moment je vais me mettre en difficulté en faisant ces 10 soulevés de terre à 100 kg. Et je performe durant ma compétition, etc. Dans ce cadre-là, c'est pas pareil. Tu peux mettre t'asseoir sur une bonne machine, travailler le muscle en question en sécurité, le pousser, dépasser l'effort et peut-être même ton échec musculaire, aller au-delà, stimuler la croissance musculaire et rentrer chez toi en pleine forme et le lendemain, aller randonner en montagne comme si de rien n'était.